Horreur, malheur! Et oui, pourquoi je vous dis horreur, malheur en intro? Parce qu'on va partir loin, on va partir loin dans l'horreur, il paraît. Oui, on va partir dans le paranormal. Donc le paranormal, je vous rappelle, c'est ce qu'il y a au-dessus du normal. Vous avez le normal, vous avez la normale, c'est en dessous. Et puis vous avez le paranormal, c'est au-dessus. Et c'est des trucs, beaucoup de gens sont attirés par ça et n'en reviennent jamais, quoi. Et aujourd'hui, je prends le risque d'y aller, rien que pour vous, puisqu'on va tester ensemble, enfin, on va découvrir surtout plus que tester ensemble, Paranormal HK. Oui, HK, c'est pas pour hongrois curieux ou homme couard, mais c'est pour Hong Kong. Hong Kong! Vous savez, cette petite île que se disputent la Chine et le reste du monde, et voire même l'île toute seule aussi, qui aimerait bien son indépendance des fois. Yes! Donc nous voilà dans Paranormal HK, qui se veut plus réaliste que le réalisme lui-même, et qui va nous emmener je ne sais absolument pas où, et je me demande si j'ai bien fait de dire oui. On va avoir la réponse tout de suite, alors petit souci avec le jeu pour les gens qui voudront s'y essayer. Bonjour madame. C'est que le setup du jeu est loin d'être évident, et je vous préviens d'avance, la première fois que vous allez lancer le jeu, vous avez intérêt à être bon en coréen, quoi. Ou alors très très logique avec votre façon de vous balader dans les menus pour accéder au setup qui lui vous permettra de basculer le jeu en anglais. Mais ça se mérite. L'autre petit truc un petit peu ennuyeux aussi, c'est encore un de ces fameux jeux qui n'a pas encore inséré les réglages de ses contrôles. Et ça c'est toujours très pénible. Donc je vais jouer au pad. En espérant que ça se passe bien. On y va. Effectivement, t'es un petit peu prête de l'objectif, quoi. Un peu trop proche. Ah, bouge pas. Vas-y, bouge pas. Bouge pas. Oula. On est bon là. J'ai rien dit. Hein. C'est juste les sous-titres qui. Je lis les sous-titres. Comme tout le monde. Arrêtez de faire ça. Lisez réellement les sous-titres, ne faites pas semblant, je vous vois les viewers et je vous juge. Au moins les choses sont claires. Et ça commence. Alors le petit détail tech, je suis en QHD, donc chez vous vous êtes en 720, il y a un moulinage entre les deux, bah, les deux affichages, donc je sais pas si la qualité sera super clean ou si ce sera super smooth. Ouais, ça va pas être super smooth, mais c'est pas grave. J'éviterai de faire des déplacements trop violents. On devrait y arriver. Oh là là. Alors, il n'y a pas de réglage graphique dans le jeu non plus. Sinon, je n'aurais pas manqué d'y aller, mais je vous garantis que j'ai trié et épluché tous ces menus. Et je n'ai rien trouvé pour faire du réglage des options graphiques de manière adaptée. Ok, j'ai une flashlight moi aussi. Et je vais pouvoir faire les poubelles. Donc désolé hein, pour le framerate du jeu. Ceci dit, c'est pas moche. C'est présumé fermé, hein. On va dire ça. Bah, au moins j'aurais trouvé le bouton pour m'accroupir. Et c'est bien présumé fermé, hein. Donc c'est même plus présumé maintenant. Accroupir? D'accord. Oui, bah t'es un peu la bourre-mec. Est-ce que je peux me désaccroupir? Non, oui, non, non.
tu m'as fait peur. Vite, il faut que je trouve Cathy. Et que j'arrête de suffoquer idiotement. Ça ne m'aide pas à trouver Cathy. Je vais m'hyperventiler et je pourrai pas courir s'il y a besoin. Courir, besoin. Forcément, courir. Là, c'était fermé. Hein. Je réessaye d'ouvrir. Je m'en fous de Cathy. Vas-y, cours. Run to the hill. Le retour. Non, je ne chanterai pas du Iron. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque. And for your life. Chut, on a dit pas chanter. Cathy, où es-tu? Pupus? Elle est cachée dans le placard. Ah non, c'est moi qui suis caché dans le placard. C'est un indice, je crois. Oui, alors c'est la grosse mode hein, ces trois dernières années de se planquer dans les placards, dans les jeux. Je prendrais bien ce tournevis au cas où je sais pas ce que c'est. Mais je... I need a key. But where is the key in this bordel? Alors, je vais faire mon vieux connard, j'aime bien. Le problème dans ces jeux maintenant qui sont super chargés en détails, c'est que tu peux fouiller absolument tout et tu pourrais passer une demi-après-midi juste pour trouver une fucking clé si les développeurs étaient méchants et la planquaient un peu n'importe où. Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce que c'est? Des petits faits divers plus ou moins étranges. Et une clé qui va être dans une boîte. Oui, je la retête carefully, regarde. Je n'entendrai pas que ça fait gling gling à l'intérieur. Hein? Ah oui, si tu regardes sous un certain angle, tu accèdes à la fonction pour l'ouvrir, sinon tu peux la reposer, tu rentres chez toi et tu pleures. Oui, c'est méchant ça. Je veux bien cette clé, je suis un peu venu pour ça, les gars. Take. Bah non, je vais la laisser. Little can I use. Squeak. Oui, toujours les... Qu'est-ce que tu veux quoi? On va éteindre. C'est plus discret. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Alors, tristement, je ne lis pas le coréen. C'est le hongkongais. Le... Bref, je ne lis pas les idéogrammes. Tout le monde l'aura compris. Et pff, ça m'aurait peut-être aidé. Oui. Bonjour. Oui, j'ai sorti mon air dégagé le plus pur. Je compte bien ne pas céder à l'affolement. Cours, vite. Toi, t'es... Hein, pas terrible. Toi, ça va. Moyen faible. It was the radio, les amis. Ce n'était que la radio. Trip. Bon, et je peux pas trouver un petit indice. Alors, ma gamma est peut-être réglée super basse. Le monde se divise en yin et en yang. Je vous laisse lire la suite, hein, vous êtes grands. D'accord, faut pas qu'on pète le yin et le yang. C'est un peu comme dans la vraie vie, finalement. Ok, mais j'ai pas retrouvé mon ami, Yu. Where is my friend? Que je devais retrouver vite. Elle est peut-être morte. Non, non, on va pas discuter. Pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Je mets 2 heures à me retourner, c'est une horreur. Quel affolement! Aucun affolement, jamais. Je suis la zénitude incarnée, regardez-moi ça. Oh, le beau placard accueilli pour moi. Hop là. Où qu'elle est la madame? La madame. Va peut-être falloir aller voir un dentiste, hein, parce que c'est... Je sais pas, ça a pas l'air terrible ce truc-là. Qu'est-ce qui vous arrive?
Et puis elle parle un petit peu comme la vieille du troisième chez moi. Enfin, elle parle dans sa tête à des gens qui sont nombreux dans sa tête. Je crois bien. Je sors ou je reste. Je suis bien dans mon placard. Oui, je vais pas faire l'épisode de South Park, je vais me calmer avec ça. Non, je sortirai pas du placard. Est-ce que je la suis? Ouais, c'est la meilleure idée à avoir. De toute façon, il n'y a pas de map. Alors, ça va pas être compliqué. Bonjour, je viens pour le scare jump. Hein? Cette porte, non, pas trop praticable. C'est dommage parce qu'il y a l'air d'y avoir de la lumière derrière. Puis, bon. Soit. Alors, dans le chat, vous avez le droit de crier. Damned, où c'est que je m'aventure, moi? Ah, vous voyez qu'il y a un rapport avec un dentiste? Comme quoi, je dis pas que des conneries, malgré les apparences. Bon, ben, on va déclarer ça. Hein. Let's go! Alors, je sais pas si mes piles sont comptées, que ma lampe va me lâcher à un moment ou à un autre, inexorablement. On va jouer au poker un peu avec ça. Non, bah, on fait. D'où elle sort, tu vas t'engouffrer discrètement. Ah, fuck. Pourquoi les plantes se dérougent jamais comme il faut, quoi, dans ces jeux, c'est pas possible. T'arrives, il y a une porte, tu peux l'ouvrir, quoi. Ça, pourquoi la verrouiller? À quoi ça sert? Je vais m'enfermer là parce que si elle est juste avec moi, je voudrais pas que de toute façon on voit ce qui va se passer. Oui, j'ai une approche très positive de cette aventure. Madame? Madame, t'es pas là? Non, elle est pas là. C'est quoi ça? J'allume. C'est une planche. Pour l'instant, oui, c'est très useless. Puis je vois pas trop à quoi je pourrais m'en servir. Un bouclier, peut-être. Démarrer le groupe électro. Il manque la manivelle. C'est ballot, ça. Où c'est que tu vas me l'avoir planqué, gros? Il va falloir chercher bien comme il faut de partout. Alors, cette bouteille de sauce qui pique. Non, c'est de l'essence, c'est quoi? Je parle toujours pas les langues avec les idéogrammes. Je voulais pas que ça se sache au début. Non, parce que sur le net, quand t'as une chaîne YouTube, ça fait classe de dire que tu parles un peu japonais, quoi. Mais moi, je peux feindre si on me pousse dans mes ultimes retranchements. Bah, du coup, il n'y a rien à faire dans cette piole. Il faut que je trouve une manivelle, ok. Et potentiellement une clé, peut-être. Et il va m'arriver quelque chose, forcément. Hey, buddy. Merci. Alors, une manivelle und une clé. Tristement, et ça, il faut toujours que ça arrive dans ces moments-là. Hein. Tristement, je ne sais toujours pas faire le cri de la manivelle pour les attirer. Non? Non, ça, c'est les moutons. Comment je vais faire? Toutes ces ratiches. Donc c'est chez le dentiste là. Il faudrait que je trouve une quille. On n'est pas arrivé les amis, je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme indice? Ça s'ouvre ça? Non, ça s'ouvre pas, c'est pas prévu pour. Il n'y a même pas un œil quand je m'en rapproche. Et là va m'arriver une misère, je le sens. Il va m'arriver une misère, je le sens. Sérieux, vous allez pas me laisser balader comme ça? Il n'y a pas une map? Non. Non. J'ai un badge. Ok. Et je me démerde. Ok. Bon, logiquement, une manivelle. Il va pas me la mettre à 4000 km. Ou alors faudrait qu'il y ait une logique qui me dise, tiens, retourne là-bas, tu vas trouver une manivelle. Ça me semble évident. Je vais y retourner. Parce que on va voir. Oh, mon Dieu, que c'était 3. Ah, ça y est, ma claustrophobie me reprend. Mais le passage est bloqué maintenant. Donc faut bien que je me démerde à trouver une manivelle dans le coin. Ok. Quelle tristesse. Je vais être étreint par la tristitude dans pas longtemps, je le sens.
trouve un endroit où on a planqué une clé. Allez. J'essaie de l'appeler, hein, j'y crois. Ce bébé ne m'aidera pas. Et ce plateau publicitaire pour une chanteuse très connue. Guerre plus. Une clé, normalement, ça se peut. Ça s'ouvre pas, ça? Mouin. J'ai l'impression d'être Antoine dans J'irai dormir chez vous, à Hong Kong. Eh ben salut, c'est Antoine. Aujourd'hui je suis à Hong Kong et ce soir je vais essayer de dormir chez quelqu'un. Vivant, de préférence. Parce que c'est peut-être pas garanti, hein. Déjà entre la bouffe. Bon, pour l'instant c'est des pommes, ça va. J'ai le droit de la ramasser cette pomme d'ailleurs. Non, tu te démerdes à trouver ta manivelle d'abord. Oui, chef. I'm really, 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 really lost in Hong Kong. Ah, j'ai eu un semblant de truc qui a clignoté, non? Eh putain, elle avait tous de manivelle dans d'autres sauces. Alors je sais pas si je monte cette émission, ça fera partie des moments probablement coupés parce que ça risque d'être long. Et avec moi, encore plus long bien entendu. where is the fucking manivelle? Bon, ça devait être dans la piole. Contre toute attente. Regarde, il y a ce truc qui demande qu'à être levé là. Pour être levé, bah, il faut que j'active ce groupe électrogène. Qui gêne qui? Personne à part moi, vu qu'il veut pas fonctionner, il n'y a pas la manivelle. Alors, pinceau, balai pour jouer à la sorcière. Je suis désappointitude. Oui, parce que la tristitude, je le dis un petit peu trop souvent à mon goût, je trouve. Ah. Non, ah, l'autre. C'est bizarre qu'on signale des planches et qu'elles servent à rien. Hein, ça, c'est le premier gros indice, on va dire. L'autre truc, c'est cette manivelle. Why the fuck isn't it more accessible un peu? Je vais être obligé de chanter pour meubler si ça continue. Et ça, c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux en général. Aïe, 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 aïe. Alors, la bonne nouvelle quand même, parce qu'on va pas dire que le verre est à moitié vide. Non, il est aux trois quarts vide. Mais on regarde le dernier quart et on se dit, les piles de ma. Damnées lampes ont l'air super bonnes. Genre, elles sont pas trop comptées, quoi. J'utiliserais bien ça comme manivelle. Ça a aucun sens, mais pour l'instant, vous en avez trouvé du sens, vous? Non! Eh ben, moi non plus. C'est bien, on est plusieurs, du coup. C'est étrange qu'on me laisse pas un indice. Ils savent bien, les développeurs, qu'il y a des joueurs plus bêtes que la moyenne et qu'il faut leur donner un indice, sinon ils savent pas où chercher une fucking manivelle. Un chemin. Ça s'ouvre. Une manivelle. Non, mais un marteau. Ok. Ben ouais. On va faire ça, man. Examiner, examiner. A pu examiner, il n'y a plus rien. Petit bug. Ce personnage met 2 heures à se retourner. Si je me fais réellement poursuivre par quelque chose de vraiment très mal intentionné. Je donne pas cher de ma peau, hein, pour être honnête. J'ai un marteau, ok? J'ai une carte professionnelle, ok? Il me faut une manivelle. On est bien d'accord que si je mélange les deux, comme dans un vieux Lucas, ça marchera pas. C'est un jeu asiatique. Mais, du coup, je suis berduillé. Je suis triste, là. Je suis super triste. Je vais aller taper au marteau sur la porte du voisin. Peut-être que ça fera quelque chose. Non. Ça peut, hein. Ah, j'adore ma lampe. J'adore son reflet. J'adore tout, en fait. Alors, si je vais là. Il y avait une logique. Ok. Moi, je suis moins agressif. Hein. J'ai pas envie de faire. J'aurais préféré des clés. J'espère que je vais pas devoir trouver une roulette, parce que si je dois appeler une roulette, ça va être un bruit assez insupportable, je vais perdre des viewers. Alors, j'ai retrouvé ta fille, enfin son fantôme, je crois. Madame Wong. Mais qui est donc cette Madame Wong? C'est
C'est sympa les dentistes comme ça. Il manquerait plus que un demi-cochon coupé dans la longueur, pendu au plafond à côté et tout, ça ferait très nature. Il y a un côté steampunk. Non, bah pas aujourd'hui, j'ai pas installé dans ce fauteuil qui a l'air très très accueillant, mais qui est peut-être trop bien pour moi en fait, faut dire. On va un peu farfouiller partout. Yo, tu... Non? Même tourner un objet, c'est super long. C'est pas que je râle, mais voilà. Bon, ça c'est Kodak local. Hein. Allez. Hop. Du coup, j'ai plus besoin de clé, il me faut juste une manivelle. Je vais peut-être la trouver sur les différents appareils qu'il y a dans cette dentisterie. Comme dirait Monsieur Austin. Je peux pas piquer des bouts. Comment ça j'ai. Oh, j'ai des problèmes de vue, dites donc. C'est rigolo cette caméra qui fait focus uniquement sur ce qui a été choisi. Ok. Knock-knock. Bonjour. Faire grandir des dents. J'espère que je vais pas me battre contre des hommes mutants à moitié rat ou lapin. Ça serait encore pire avec des grandes oreilles. Il y a encore un placard pour se cacher. Je vais l'essayer quand même parce que c'est important de chauffer ces planques. Ok. Tu te rappelles où c'est? Ouais. Et tout à l'heure, je vais être au bout du tableau et je vais devoir courir pour revenir là, ça va être triste. Pas ouvrir? Sûr? Sûr, sûr, sûr? Je crois que je vais pas avoir besoin d'être à l'autre bout du tableau pour qu'il m'arrive une bricole, je le sens bien comme ça. Bon, pas ouvrir, tant pis. Allez, je me retourne, hein. 3, 4, 5. Il me faut 6 secondes entières pour me retourner, sérieux. C'est un truc qui apparaît en face de moi. J'ai aucune crédibilité dans la fuite. Oh là là. Bon, cette manette, on en est toujours là. Faut que je trouve une espèce de manivelle pour démarrer le truc. Ou une lanière, ou une manivelle. Normalement, ça se démarre avec une lanière, ce truc-là. Mais bon, une manivelle, ça ira très bien. Mon ampoule. Je vais bien éclairer, voir si j'ai pas oublié une connerie là. Parce que les oublis, c'est souvent tragique dans ces jeux. Dans le placard, y a rien qui se fouille. La petite étagère là. Regardez-moi cette valoche là. Je suis sûr qu'il y a une manivelle là-dedans. Oh, c'est horrible qu'on se retourne, ça met deux plombs. Sérieux, je veux pas tomber en face d'un truc. J'ai vraiment pas envie rien que pour ça. Attends, attends, je me retourne, je me retourne, je me retourne, je me retourne, je rentre. C'était moi, celui. Mais c'est ma copine, ça. Ah non, elle bave un peu du sang. Elle va passer loin les amas, je vous le dis. Elle est partie? Elle m'a ouvert la porte? Cool. Merde, j'aurais dû lui demander pour la manivelle. Vous avez vu ce retournement de la pitié? Regardez-moi ça. Je vais me remettre de mes émotions parce que je vais peut-être mourir de rire dans un jeu d'horreur. Je vous rappelle qu'on est là pour avoir peur. Reste silencieux, il marche doucement. Faut pas que je rigole. Il faut pas que je me retourne. Salut. Yo. C'est discret d'allumer, non? Non? Ok. On a le temps, hein? De toute façon, pour se retourner, déjà, on a le temps, donc... Est-ce que je vais là-bas? Je suis pas super envie, mais il y a un truc qui a l'air de se distinguer du reste. Allez, pour le fun. Comment ça, c'est pas fun? Mais si, vous allez voir. Ouais, je voulais vous la faire celle-là parce que ça m'a fait plaisir. Elle était offerte par la maison. Maintenant, je vais moins faire le malin, faut que j'aille là-bas. Et apparemment, ça va peut-être pas se passer pareil. Salut. Fabiche? Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là putain! Oh là putain! Oh là putain! Putain!
Hop, tu passes, tu fais un tout droit. Fais un tout droit, fais un tout droit, fais un tout droit, man. Voilà. J'espère qu'il y a une issue. Trace, trace, trace doucement, trace doucement. Trace discret, trace. Merde, c'est un sac de cul, ça. Ça va pas être glamour. On va se mettre là, on va se caler, on va reprendre nos esprits. Comment ça, il y en a un d'esprit là? Je sais pas, j'ai rien vu, moi. Mais du coup, je fais quoi, moi? Il y avait une porte à gauche que j'ai ratée, j'ai oublié. Il y a un truc écrit là. Oh putain, la manivelle! Pourquoi l'avoir foutu ici? Éteins. Alors, t'attends qu'elle arrive. Hop. Dès qu'elle fait demi-tour, hop. Tu regardes, tu touches rien, tu passes. Tranquille, regarde. Zen. Là, t'attends qu'elle ait fini son bordel. Tu la laisses revenir dans l'autre sens, bien énervée. Et tu te casses tranquille, tu vois, mais alors sans empressement. Tel The Big Game of Ski dans toute sa splendeur, quoi. Je peux pas dire autrement. Et là, tu cours! Ferme la porte! Vite, retourne-toi! Là, je peux même pas fermer la porte. J'y vais en breakdance, en marche arrière. Hein. Allez. Lia. Oh mon dieu! Je me traîne, hein. Alors, apparemment, ce jeu, c'est un simulateur de mec qui doit faire de l'overpoids, quoi. Oui, on dit surpoids, mais moi, je pense que là, il est au-dessus du surpoids, mon personnage. Je m'enferme, je veux pas que tu vois ce que je fais. Puis peut-être que ça te retardera si t'as l'idée d'entendre le bruit, de venir me foutre un peu les chocottes. Vous avez vu comme je suis positif? J'avais dit que ça ferait ça. Pourquoi faut que j'attende? Ok, je les ai trouvés. Attends, elles sont là, je vais renforcer la porte. Ah, ta mère la grosse. Pas le bisou. Non. Alors, à ce point-là du jeu quand même, on va... Est-ce que j'ai encore mon... On va faire un petit topo quand même. Non, faut que je retourne chercher la manivelle, merde. Non, je vais m'enfermer d'abord. On va faire le point, maintenant qu'on est au calme, enfermé, tranquille. Les planches sont là, un bonhomme. Je me mets dans une façon où j'aurais pas à me retourner si je pourrais démarrer le truc. Ouais, super. Le jeu, il est joli. L'ambiance, elle pourrait être sympa. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est très téléphoné, hélas. Et j'espère que ben, on va avoir un petit peu de scriptitude, on va dire. Oui, c'est tout des scripts, hein, tout ça. Un petit peu moins téléphoné. Allez. Alors, je vais faire ça. Et je vais renforcer The Wooden Door. Vite. Cours. Ah. 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 C'est bon. Je me retourne pas parce que ça met 2 heures. Je vais quand même pas retourner mettre une planche. Puis on se connaît maintenant, on est presque amis, regarde. C'est quoi ton prénom? Et puis pour Serati, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose. Cours. Ah, je me sens beaucoup plus en sécurité dans ces égouts, vous allez voir. Tout va super bien se passer. Je me retourne parce que je suis le mec qui ose se retourner dans ce jeu. Je sais, ça peut être fatal et très long. Ah, bah, y a un passage là aussi. J'ai peut-être pas envie d'y aller en fait. Non, le jeu n'a pas envie que j'y aille. Allez, je me retourne. Donc oui, je disais, bah, le jeu est super scripté, mais genre, il n'y a rien de surprenant vraiment, quoi. Alors je redoute les scare jumps qui vont être... Genre, moi j'en mettrai un dans pas long là. Et du coup, c'est dommage parce que c'est pas vraiment la flip telle qu'on l'aime. C'est une flip qu'on est obligé de vous faire voir. Et pff, je vous rappelle que quand même, c'est vachement plus chouette. Hein. Un jeu ou un film hein, d'ailleurs, qu'on s'est foutu dans la suggestion. Puisque c'est votre imaginaire, l'imaginaire de chaque joueur qui travaille et qui développe le pire truc à concevoir pour se faire bien flipper. Oui, ce putain de téléphone. Allô? Non, ça c'était une échelle. Je vais peut-être en avoir besoin de ça, les gars. Montez. Pas tout de suite, on va dire. D'accord? Il rappellera si c'est important. Moi, je suis sûr qu'en Corse, si c'est un démarcheur ou une connerie comme ça. Allez, une grille. Ok, je me retourne courageusement, attention. Où est mon échelle? J'ai
perdu mon échelle. Je viens de faire un 360 là, les gars. Elle est où l'échelle? J'ai paumé l'échelle. Alors normalement le jeu, quand il rame pas, ça doit être quand même vachement plus agréable. Mais là, j'ai un handicap, je dois avouer. Avec cette résolution qui est un peu trop haute. Et du coup c'est joli, mais j'ai un framerate qui est catastrophique. Je suis désolé, je m'excuse encore. J'arrive. J'arrive. Ça. J'ai cru que la trappe avait disparu. Ok. Ok. Je vais rien cuisiner tout de suite parce que. On sait jamais. Allô, Mushi Mushi? Trouver la maison de la vieille dame. J'adore ma lampe. J'ai tellement de jeux où la batterie vous lâche au bout de 5 minutes. Bon là j'en ai pas trop besoin mais j'adore ma lampe quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est... Alors je regrette de pas lire coréen du coup parce que il doit y avoir des tas de petites finesses qui doivent renforcer l'ambiance sur les conneries affichées sur les murs. Est-ce que j'étais un peu trashouille humide, bien urbain, hyper concentré, comme on le connaît à Hong Kong quoi. Oui, j'ai jamais été à Hong Kong, mais j'en ai les mêmes clichés que vous. La maison de la vieille dame. No. Follow the wires. Alors, the wires, ils vont de l'autre côté, et sinon de ce côté, ils vont plutôt. Plutôt, c'était le chien. Oh là, elle est vieille celle-là, elle est plutôt neuve. Bah, c'est plutôt par là, quoi. Is there anything I can do, buddy? Que dalle. Alors, j'ai des câbles qui vont là-bas dessous aussi. Putain, c'est le bordel. Alors, je sais pas si c'est très réaliste, cette façon dont sont raccordés les locaux, peut-être. Moi, je pense que les gars ont pas fait ça au hasard. Et du coup, ça me donne super envie d'aller faire des photos urbaines à Hong Kong. Parce qu'il doit y avoir des endroits complètement improbables où la tripaille des bâtiments doit ressortir dans des couloirs comme ça ou de petites ruelles. Et ça doit être relativement impressionnant. I need something to power the door, je crois. C'est sûrement pas là. What to do, doudou? Grand bleu. Oh, idiotie. Comment ça, je suis Miro? Pas du tout. C'est juste que j'ai un problème avec les objets qui se déclenchent uniquement à partir d'une certaine distance. Oui, c'est sûr que ça va devenir pratique. Snip, snip, snip. Et je peux pas snip, snip, ça? Regarde. Snip, on n'en parle plus. Hein. Ou dans le tas, là, carrément. Alors, ça va faire partie des petits défauts du jeu, du coup. Hein. C'est ces trucs qui se déclenchent à une certaine distance, relativement proche, d'ailleurs, qui vous laissent tourner comme un couillon. Snip, 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 je fais quoi, là? Je vais couper ça. Regardez. Elle était là, l'idée. Yo! Oh, que c'est pénible. Snip. On va y arriver. Faire tout noir. Ouais, plus ou moins. Ne pas entrer. Je commence à parler coréen, vous avez vu, ça rentre là. Qu'est-ce qui s'est passé? La pays déjà était zarbi hein, sur sa photo.
Oui, je lui fais faire un 360. Même les objets, je vous l'ai dit, les faire pivoter dans ce jeu, c'est un calvaire. Bon, est-ce que je me prends un petit bout si j'ai envie de grignoter? Non, mieux vaut les faire cuire, ces trucs-là, je pense. Un placard. Tout le monde rigole. C'est bon, tout le monde rigole. Oui, bah, le problème, il est là. Le jeu, il vous fout un endroit où vous planquez juste avant de déclencher le script. C'est... Du coup, il y a une manière de téléphoner qui est... Je me retourne et je me cache. Je cherche pas à savoir. Je suis caché, tu peux plus rien contre moi. Regarde, je te regarde. I watch you, I see you. I see you. La-da-da-da. Hop là, je sors de mon placard courageusement parce que... Parce que voilà, est-ce qu'elle a éteint cette garce? Ou est-ce que ça m'a ouvert la porte? J'étais obligé de courir jusque là-bas pour voir. Ok. Enfin, je cours là, c'est... Vous m'avez compris. The door is open. Oh, frag! En fait, quand je fais ça, elle vient m'emmerder, quoi. Donc, idéalement, il faudrait que je me placardise. Mais quand elle est devant, comment je sors pour me barrer? Je pose la question. Here is the question. Again? Il n'y a plus de again parce que... Qu'est-ce qui s'est passé, tiens? Why I can't use this truc? Again. J'ai l'impression d'aborder ce jeu de la pire manière qui soit. Alors, je sais pas pour vous, mais... Moi, je... Pourquoi tout à l'heure je pouvais, là je peux plus? Pourquoi je peux plus? Pourquoi je peux plus? Pourquoi je peux plus? Pouvoir, je voudrais. Encore, encore, again. Oui, le syndrome du môme de 10 ans qui va vous gonfler jusqu'à ce que vous cédiez. Again, je veux baisser la manette. Je veux baisser la manette. La manette, je veux la baisser. Maintenant, maintenant. On sait jamais, hein, ça pourrait marcher si le jeu m'écoutait. Mais. Oui, c'était une naïveté, allez, on va dire. Du coup, si je peux plus actionner ça, qu'est-ce qui se... Hop, 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 hop. On va faire de bonnes rencontres par ici, non? Ça a l'air d'être... Voilà. Keep quiet, not get caught. Surtout avec la lumière, quoi, c'est pratique. Ouais, je vais la laisser, la lumière, parce qu'apparemment, elle la voit pas, cette andouille. Andouille? Ah bah, c'était les bouts de carcasse que je voulais tout à l'heure. Elle est où? Je vais tracer. Je vais tracer, comme un connard. Hop, 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 salut, c'est moi. Ultra connard, je tourne la manette et j'ai un placard à côté. In your anything, tu choisis. Je ressors parce que j'ai confiance. Mais franchement, il y a une note là qu'il faudrait que je dise. Je compte sur vous pour me prévenir si elle arrive. Ouais, on s'en fout. Madame? T'es encore là, madame? Madame? Joue pas, pâte avec moi. Elle est encore là. Ça, c'est la bad news. Je vais rester vers mon placard, moi, je suis bien. Comment ça, c'était pas l'option la plus courageuse? Vous allez voir comme c'est pratique. Madame? Je vais y aller un peu à la racaille. Je vais tracer quoi, non? Ouais, je vais tracer. Regarde là, elle va rien capter. Bah, c'est qu'un esprit, hein, ça c'est. Ah, ferme ta bouche. Merde, je passe où maintenant? Là. Là, et tu traces là-bas. Hop là. Comment ça, j'en ai pas large? Mais non, j'étais discret, vous confondez les amis. What? Non, not again. C'est ce que j'ai pas fait. What I didn't do, doudou. Faut que je retourne là-bas? Ok, je suis naïf. Va falloir que je me replonge dans ma... Ça? Ok, je suis prêt à faire un gros demi-tour. Non, que dalle, pot de balle, rien. Nothing. Le cake était un mensonge, c'est obligé. Merde, j'ai dû rater un truc.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Je regarde le chrono du stream. Bon, je vais continuer d'enregistrer, mais pff, je pense que je vais faire des cuts parce que ça va être un peu longué peut-être. Bon, on va retourner voir Paulette. Hein. Paulette? Ah, Paulette, 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 Paulette. Paulette. Queen of the Popiette. Y a pas de piole de ce côté. Non. Bah, why the fuck I can't go where I want to go because Jean Bonneau. On va essayer de faire une petite pointe de vitesse là. Il n'y a pas d'issue de l'autre côté, je suis pas fou. Alors. Admettons. The Paulette is. The roof is on fire. Hop, 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 hop. Attends, Paulette, 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 je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Ah, mais. Quand t'as un mec, tu vois qu'il a des problèmes de dos et qu'il met 2 heures à se retourner, t'es compatissant, tu te fais un peu les ongles avant de lui sauter dessus, quoi, pour lui laisser une petite chance. Là, c'est dégueulasse. Alors, vous savez ce qu'on va faire, les amanches? Je vais faire une coupure stream et je reviendrai dans ce jeu, enregistrer du rush sauvagement et peut-être même vous le publier. Mais je crois qu'on tient là quand même un début de chronique sur ce HK paranormal. Qui est très classique, qui est peut-être beaucoup trop classique en fait, et c'est ce qu'on va leur reprocher. Parce que pour le reste, c'est sympa. Les décors comme ça, urbains, un peu glauques, ça n'a pas trop été exploité par chez nous, pauvres Européens. Et du coup, il y aurait moyen de se semer la panique sur des principes un petit peu plus évolués que ce. Porte, script, verrou, petit challenge, déverrouillage, porte suivante. Si. On est en 2020, les gars. Donc voilà, des gros bisous. Je vous laisse avec les playlists habituelles. Si vous regardez cette émission sur YouTube, playlist généraliste, playlist des shmups et le bouton d'abo. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao. Je crois qu'elle revient.